Voilà, everybody, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Je suis en train de me faire les ongles parce que j'ai décidé de faire une vidéo. Une vidéo où je vais passer un petit moment de la journée avec ces faux ongles. Ils sont longs en fait. Ils sont assez longs, hein. Ils sont bien longs. Du coup, je vais essayer de passer un bon moment de la journée avec. Sachant que c'est le ramadan, je pourrais pas passer 24 heures avec. Parce que après le maghreb, je dois faire ma prière. D'ailleurs, je vais faire ma prière tout court, mais j'ai décidé de les décaler un peu pour la vidéo, la prière. Que Dieu me pardonne. Je les ferai bien, ma prière. Je la ferai bien. Je la ferai un peu plus tard. Je pense que je vais attendre jusqu'à la fin de l'après-midi. Cet après-midi, je les enlèverai. J'arrêterai la vidéo cet après-midi. Là, il est 13h et quelques. Même pas 13h30. C'est une vidéo 24 heures avec des faux ongles. Mais moi, je peux pas rester 24 heures. Peut-être que dans le titre, j'ai mis 24 heures avec des faux ongles longs. Mais c'est pas comme si je trichais. Mais je peux pas passer 24 heures avec ça pendant le ramadan. C'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et vous rejoignez la famille Moon Jumeur. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Déjà, pour attraper les ongles, quand les ongles sont déjà faits, c'est galère. Et voilà, j'ai fini mes deux mains. Ils sont longs, hein. J'ai pas l'habitude de porter des ongles si longs. Mais bon, on verra ce que ça donne. Maintenant, je pense qu'on va aller mettre mes soins sur mon visage et peut-être mettre un peu de maquillage. Ouais, je vais me maquiller un petit peu, je pense. Let's go. Je suis allée mouiller mon éponge. J'ai galéré pour les sauver. Parce que quand je faisais ça, les ongles ils rentraient dans ma main. Du coup, je ne pouvais pas les sauver bien comme il fallait. J'essaye de... Voilà. Je vais mettre ma capuche. Voilà. Donc, je suis désolée pour le bruit, c'est qu'il pleut et je suis dans la véranda, j'ai fermé toutes les fenêtres. On n'entend plus les voitures, mais on entend le bruit de la pluie. Dans les tuyauteries. Je suis désolée. Ça me saoule même moi. Bon, je vais appliquer ce sérum à la vitamine C qui vient de chez Primark. Une goutte, trois gouttes, quatre gouttes. Il y a des filles, elles se maquillent normal avec ça, elles n'en font pas des challenges. Hein. Il y a des filles, elles sont avec ça dans leurs doigts, bah elles se maquillent tac tac tac, tac tac tac. Elles ont trop l'habitude, bah moi non, pas du tout. D'ailleurs, je me griffe depuis tout à l'heure avec mes ongles sur le visage. Du coup, j'ai fait mes soins et mon teint sur le balcon avec vous. Il y avait trop de bruit, j'ai dû rentrer dans ma chambre parce qu'il y avait un bruit horrible avec la pluie dans les tuyauteries, l'eau dans les tuyauteries, c'était horrible, ça m'a cassé la tête. Du coup, je continue mon make-up dans ma chambre. Je prends mon bronzer de chez Rimmel. Et je vais en mettre sur mon front et sur mes tempes et tout. Alors avec les ongles, ça va, c'est pas trop dur pour l'instant. Pour l'instant, je galère pas trop. Easy peasy. Ça me semble un peu trop facile quand même. C'est bizarre. C'est bizarre que ce soit aussi facile que ça. Enfin bon, je vais passer aux yeux. Je prends une palette que j'ai achetée au marché à 5 euros. De fard marron et orange. Déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah voilà, là ça se complique. J'arrive pas à l'ouvrir. Impossible de l'ouvrir. Ah voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, enfin. Du coup, je vais prendre ce marron, et je vais faire mon creux de paupière. Mince, j'ai fait une tache. C'est parti, c'est bon. Et voilà, on a fini le make-up.
Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tuto turban avec mes ongles. On va voir si j'arrive à faire le tuto turban. Et comme ça au moins j'aurai des activités, parce que sinon la vidéo elle rime à rien du tout. Du coup je vais aller chercher mon bonnet, mon foulard et je vous fais le tuto tout de suite. Voilà, j'ai mis mon petit bonnet. Du coup je vais prendre le foulard comme ça. C'est un foulard en longueur, c'est pas un foulard carré, il est long. Je le mets sur la tête. C'est un tuto que je vous ai jamais fait sur ma chaîne, hein. Donc j'en profite pour faire un tuto. On prend les deux extrémités vers le haut et on fait un nœud. Bon, j'ai mes ongles qui se coincent dans le foulard, mais c'est pas grave. Et puis, attendez, un nœud. Voilà, on fait un nœud. Voilà, comme ça c'est bon. On refait un autre nœud. Pour la base du foulard, il faut deux nœuds. Et on tourne comme ça. Oh là là, c'est galère. Parce que mes ongles, ils se coincent de ce côté. De côté où il y a les paillettes, ils se coincent dans le foulard. Oh non. Je recommence. Vous avez capté en tout cas, je pense, le truc. Donc, enfin une activité dans laquelle vous me voyez galérer en même temps. C'est ce que je cherchais, j'ai cherché les problèmes moi. J'ai cherché les problèmes toute seule. Comment je peux faire? Il faut la coincer, il faut coincer ça là-dedans. J'arrive pas. Voilà. Pourquoi ça sort? Oh là là. Il y a un bout de tissu qui sort là. Normalement, ça devrait pas sortir ça. C'est quoi ce délire? Voilà. Voilà. J'ai fait le turban. Donc voilà le turban. C'est facile à faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà. Je voulais allumer une bougie avec ces ongles là, je sais pas si je vais arriver. On va essayer. Easy peasy. Easy peasy. J'ai allumé ma bougie. Facile. Elle sent bon cette bougie. Je voulais vous montrer la tenue du jour. J'ai mis un sweat à capuche rose clair. J'arrive pas à mettre ma capuche. J'ai mis un pull rose à capuche avec des trous sur les épaules. En dessous, j'ai un pull avec des papillons. Pas, j'ai un pantalon de costume que j'avais acheté à un friperie. Taille haute. Et j'ai remis mon foulard noir, j'ai enlevé le foulard beige. Voilà pour la tenue du jour. Oh là là, j'essaie de jeter un mouchoir à la poubelle et une lingette. Et elle est restée coincée sur mes ongles. J'arrive pas à la jeter. Comment je peux faire pour que je fasse une boule et que je la jette? Comment je peux faire? Ah voilà, la technique de la boule, ça a marché.
Écoutez, mes chouchous d'amour, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je fais rien du tout de ma journée, donc j'ai rien à faire. Donc tout ce que je vais faire, c'est dormir, faire du montage et dormir et faire du montage et regarder Instagram et voilà, chiller, chiller, chiller. Donc j'ai rien à faire. C'est en plus c'est un jour férié, je peux même pas vous emmener à Carrefour avec moi, tout est fermé. Du coup, bah on s'arrête la vidéo là. Je fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!